Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir la leçon de la lettre B, l'exercice principal, le graphisme. La question numéro 1, j'observe et je découvre. أمر الآن إلى الصفحة التالية. التمرين الأساسي الرسم. السؤال رقم 1, ألاحظ وأكتشف. Qu'est-ce que je vois dans la photo? Très bien, je vois une fleur et cette fleur, elle a des feuilles sous forme des boucles enchaînées entre eux. Très bien. ألاحظ في الصورة زهرة لها أوراق على شكل حلقات مترابطة فيما بينها. جيد. Je passe maintenant à la deuxième question. Je m'entraîne. السؤال الثاني أتدرب. Dans cet exercice, les enfants, j'ai des boucles en pointillés et je dois le compléter jusqu'à la fin de la série. Très bien. في هذا التمرين أصدقائي الأطفال عندي حلقات على شكل خطوط متقطعة وعلي أن أكملها حتى نهاية الرسم. Donc je commence avec la première boucle, oui, jusqu'à la fin, et de la même manière, je vais dessiner la deuxième boucle. Très bien. Le but de cet exercice, les enfants, c'est d'apprendre à dessiner des boucles, ce qui va nous aider pour apprendre à écrire la lettre B. الهدف من هذا التمرين أصدقائي الأطفال هو التدرب على رسم الحلقات، الشيء الذي سوف يساعدنا على كتابة الحرف B. La question numéro 3, je produis. السؤال رقم 3, أعيد ما تعلمته في التمرين السابق. Comme on a fait dans l'exercice précédent, j'ai des boucles sous forme de pointillés et je dois le compléter jusqu'à la fin du dessin. كما قمنا بذلك في التمرين السابق, عندي مجموعة من الحلقات وعلي أن أكملها حتى نهاية الرسم. La question numéro 4, je m'évalue. السؤال رقم 4, أقيم نفسي. Dans cet exercice, j'ai une fleur avec des feuilles en pointillés sous forme des boucles et je dois les compléter pour former des boucles en continu. في هذا التمرين عندي وردة لها أوراق على شكل حلقات متقطعة وعلي أن أكملها لأحصل على حلقات متصلة. Je passe maintenant à la page suivante, la question numéro 1, j'observe et je découvre. مر إلى الصفحة التالية, السؤال رقم 1, ألاحظ وأكتشف. Dans cette photo, je vois la manière dont il faut écrire la lettre B. في هذه الصورة أشاهد الطريقة التي يجب أن أكتب بها الحرف B. La question numéro 2, je repasse. السؤال رقم 2, أعيد كتابة الحرف. Ici les enfants, je vais repasser l'écriture de la lettre B sur les pointillés qui se trouvent au milieu de la page. هنا أصدقائي الأطفال يجب أن أعيد كتابة الحرف B فوق النقط الموجودة في وسط الورقة. La question numéro 3, j'écris. السؤال رقم 3, أكتب. Ici les enfants, je vais écrire la lettre B dans la zone dédiée, mais sans utiliser les pointillés. هنا أصدقائي الأطفال سوف نكتب الحرف B في المكان المخصص ولكن بدون استعمال النقط المتقطعة. La question numéro 4, je recopie. السؤال رقم 4, أنقل. Ici mes amis, j'ai la syllabe ba et j'ai la syllabe bi. Et donc je dois recopier la même syllabe dans la zone dédiée au milieu de la page. هنا أصدقائي الأطفال عندي المقطع با وعندي المقطع بي وعلي أن أعيد كتابة نفس المقاطع في المكان المخصص لذلك. Je vous remercie les enfants pour votre aimable écoute et je vous souhaite un bon apprentissage. أشكركم أصدقائي الأطفال على حسن المتابعة وأتمنى لكم التوفيق.